Petit ours brun et le bébé. Aujourd'hui, chez Petit ours brun, il y a deux invités. Madame ours gris et son petit bébé. Petit ours brun est tout excité. Oh, il dort. Oui, il vient juste de s'endormir. Dis, maman, il va dormir encore longtemps, le petit bébé. J'aimerais bien qu'il se réveille, moi. Il se réveillera tout à l'heure, petit ours. Je reviens. Chut! Arrête, petit ours. Mais je fais de la musique pour le bébé. Oh. Regarde, tu l'as réveillé avec tout ce bruit. Oh là là, il fait trop de bruit, ce bébé. Mais pourquoi il pleure? Ne t'inquiète pas, petit ours. Je crois qu'il a faim. Ah, d'accord. Je sais. Tiens, bébé. C'est très gentil à toi, petit ours. Mais tu sais, un bébé ne peut boire que du lait. Allez, mange-le, ton gâteau. Tu vois, lui, il a presque fini. Alors, on va pouvoir jouer. Eh bien, tu ne veux plus jouer? Allez, viens, mon grand petit ours à moi. Toi aussi, tu veux des bisous? Petit ours brun avait très envie de jouer avec le bébé. Mais maintenant, il est tout content de le câliner. Petit ours brun part en vacances. Aujourd'hui, les ours bruns partent en vacances. La mer est loin, la route est longue et ils ne sont pas en avance. Ouf, ça y est, il n'y a plus qu'à tout mettre dans la voiture. Tu es prêt, petit ours? Nous allons bientôt partir. Voilà! Je suis tout prêt pour aller à la plage. Bravo, mon petit ours. Mais tu n'emportes pas de jouets? Oh zut, mes jouets! J'ai complètement oublié. Ma voiture rouge, mes raquettes, ma pelle, mon doudou. Je crois que ça suffit, petit ours. Ton sac est déjà plein. Attends, maman, je ne trouve pas mon petit crocodile. Faites vite, la route est longue et nous sommes déjà en retard. Allez, petit ours, dépêche-toi. Papa nous attend. Mon crocodile! Alors, on y va? Voilà, petit ours. Il n'y a plus qu'à prendre Minou et on y va. Minou? Mais où est-il, Minou? Minou! Minou! Minou, Minou! Minou, Minou! Mais où es-tu, Minou? Minou! 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 Où es-tu, Minou? Viens voir dans la maison! Minou! 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 Minou, 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 Minou! Minou, 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 Minou! Où est-il passé? Minou. On part en vacances, Minou! Minou, Minou! 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 Rien! Minou! Minou! On ne va pas pouvoir partir en vacances! On a perdu Minou! Minou! Il était là! Encore un peu de patience! Et demain matin, Petit ours brun jouera sur la plage des vacances. Petit ours brun s'amuse avec le chat. Quand Petit ours brun prend son goûter, Minou le chat est souvent là pour le regarder. Et il a toujours envie de jouer. Attends, Minou, je vais t'ouvrir. Tu as envie de jouer, hein? Allez, Minou, attrape! Bravo! Allez, Minou, encore une! Bravo, Minou! Tu es un vrai champion! Oh non, petit ours! Les fleurs! Allez, ouste, je ne veux plus vous voir ici, tous les deux. Tu
Tu vas prendre ton bain, petit ours. D'accord, maman. Tu veux prendre le bain avec moi, Minou? On joue bien tous les deux, hein, petit chat? Vas-y, Minou, essaie d'attraper le canard. Minou, attention! Tu sais pourtant que les chats n'aiment pas l'eau, petit ours. J'ai oublié quelque chose dans ma chambre. Je vais le chercher et je reviens tout de suite. Tu n'attraperas pas mes pieds, Minou. Et mes mains non plus. Aïe! Ma main! Qu'est-ce qui se passe, petit ours? Oh, ce n'est rien. Juste une éraflure. Tu es méchant, Minou. Je ne veux plus te voir. Tu n'es plus mon copain. Mais Minou ne voulait pas te faire de mal. Il vient même te faire un câlin. Regarde, maman, il ronronne. Mais oui, je suis encore ton copain, Minou. Écoute. Quand petit ours brun joue avec le chat, il se fait griffer parfois. Mais ça se termine toujours bien, car au fond, ils sont très copains. Petit ours brun, aide maman. Quelquefois, les jours de pluie, petit ours brun s'ennuie. Maman, tu veux bien jouer avec moi? Je n'ai pas le temps, petit ours. J'ai beaucoup de choses à faire ce matin. Mais je m'ennuie, moi. Oh, j'ai une idée. Et si tu jouais à aider maman? À aider maman? Mais oui. Tu vas voir, c'est très amusant. Pour faire une bonne tarte, il faut bien préparer la pâte. À toi, petit ours. Oh, j'ai raté. Ce n'est pas grave du tout. Ce n'est pas si facile de jouer à faire une bonne pâte à tarte. Je peux l'étaler maintenant? Pas encore, petit ours. Il faut la laisser reposer. En attendant, on va aller jouer à faire la lessive. Maman, il n'y a plus de lessive dans le paquet. Mais petit ours, tu en as trop mis. Bah, comme ça, le linge sera bien propre. Et maintenant, on joue à faire la tarte, maman. Pas encore, petit ours. Maintenant, on joue à faire le ménage. Tu pourrais faire un peu attention, petit ours. Moi, je travaille pour t'aider et puis toi, tu me grondes. Alors moi, j'arrête. J'arrête aussi, petit ours. Le ménage, ça suffit pour aujourd'hui. On va faire... la tarte! On va faire la tarte! Ce n'est pas toujours facile d'aider sa maman, mais c'est parfois intéressant quand on est très gourmand. Petit ours brun et la babysitter. Si petit ours brun n'est pas de bonne humeur, c'est parce que ses parents sortent ce soir. Ils attendent l'arrivée de la babysitter. Mais petit ours brun n'est pas pressé de la voir. Moi, je n'ai pas envie de rester avec la babysitter. Et d'abord, je ne la connais pas. Tu vas voir, petit ours. Je suis sûre qu'elle est très gentille. Justement, je crois qu'elle arrive. Bonsoir, madame. Bonsoir, petit ours. Voyons, petit ours, ne fais pas ton timide. Maman, un bisou. Allons, petit ours, sois raisonnable. Nous sommes déjà en retard. Oh! Regarde ce que je viens de trouver derrière ton oreille, petit ours. Mais comment tu as fait ça? Amuse-toi bien, petit ours. Et maintenant, si on jouait à cache-cache tous les deux? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'arrive, petit ours. Petit ours, es-tu là? Non, non. J'ai cru entendre un petit ours brun. Trouvé.
maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu dirais de faire un joli zoo en pâte à modeler? Et alors, le boa a voulu manger le petit lion. Mais heureusement, l'éléphant et l'hippopotame sont arrivés juste à temps. Et le petit lion est parti sur le dos de l'éléphant. Bon, il est peut-être l'heure d'aller se coucher, petit ours. Oh, pas tout de suite. Je voudrais encore des animaux et puis une autre histoire. Papa ours et maman ours ont passé une très bonne soirée. Et petit ours brun aussi. Maintenant qu'il connaît la babysitter, il aimerait bien qu'elle revienne chez lui. Petit ours brun ne veut pas manger sa soupe. Maman ours prépare le repas. Papa ours met la table. Quant à petit ours brun, il n'est pas bien loin. Petit ours, à table. J'arrive, maman. Qu'est-ce qu'on mange? Ah, de la soupe, berk. Allez, viens t'asseoir à table, petit ours. Mais maman, je n'aime pas la soupe, c'est vrai. Allez, petit ours, ne fais pas d'histoire et viens manger. Là. Mais goûte au moins, petit ours. Je t'assure que c'est très bon. Non, je n'aime pas ça du tout. Allô, 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 la tour de contrôle. Ici Papa Tango Zulu, je demande l'autorisation d'atterrir. Autorisation accordée, nous vous ouvrons la porte. Non, ce n'est pas bon la soupe. Attention petit ours, je vais finir par me fâcher. Mais moi je ne veux pas manger ma soupe. Bon, maintenant ça suffit petit ours. Puisque c'est comme ça, tu n'auras rien d'autre. Tu peux aller dans ta chambre. J'ai faim, moi. Eh bien, mon petit ours boudeur, tu as changé d'avis? Bon, alors je mange 4 petites cuillères. 5 grosses cuillères. D'accord, maman. 3, 4 et 5. Bravo, petit ours. Quand petit ours brun fait ce qu'il faut pour goûter un peu à tout, sa maman lui donne un gros morceau de ce qu'il aime beaucoup. Petit ours brun veut téléphoner. Quand le téléphone se met à sonner, petit ours brun est bien souvent le premier à décrocher. Allô? Oui. Maman? Maman? Il y a une dame au téléphone. J'arrive. Mais petit ours, il ne fallait pas raccrocher. Il faut poser le combiné à côté du téléphone, comme ça. Ah, on rappelle. Allô? Oui, bonjour, madame ours gris. C'est vous qui avez essayé de m'appeler? Oui, c'est mon petit ours qui a raccroché. Un instant, s'il vous plaît. Petit ours, éteins cette télé et arrête de faire du bruit. Je suis au téléphone. Allô? Excusez-moi, je vous écoute. Oh, le téléphone est toujours occupé. J'ai un coup de fil urgent à passer. Tu vas voir qui c'est, petit ours. Coucou, petit ours. Je suis venue jouer avec toi. Ah, chouette! On joue à quoi? C'est Nanette. On dirait qu'elle a trop mangé et qu'elle est malade. Je vais faire une course et je reviens très vite. Soyez sages avec papa, les enfants. Viens vite, petit ours rousse. On va appeler le docteur. Mais qu'est-ce que vous faites, les petits ours? Le téléphone n'est pas un jouet. Appeler le docteur pour ma poupée Nanette. Oh, c'est pas juste. Comment on va faire pour téléphoner? Bon, attendez. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Et voilà votre nouveau téléphone. Oh? Dring, dring, dring. Allô, docteur, vous m'entendez? Oui, allô. Allô, bonjour. Allô, c'est moi. Chez les ours bruns, ça sonne, car il y a beaucoup de téléphones. Et maintenant, même petit ours brun a le sien.
Petit ours brun casse son jouet. Qui donc sonne à la porte? C'est le facteur qui apporte un paquet qui vient de très loin. Un paquet pour Petit ours brun. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Qu'est-ce que c'est, papa? Dis, qu'est-ce que c'est? Je crois bien que c'est un cadeau, petit ours. Il vient d'Amérique et c'est tonton Barnabé qui te l'envoie. Waouh! Vite, papa! J'ai très envie de voir mon cadeau! Je n'y arrive pas! Attends, petit ours, je vais t'aider. Non, papa! C'est moi qui ouvre mon cadeau! Waouh! Une voiture de course! Oh zut, je n'arrive pas à enlever le papier! Doucement, petit ours, laisse-moi t'aider. Voilà. Merci! Oh là là! Elle est télécommandée en plus! Bon, elle ne marche pas cette voiture! C'est normal, petit ours, il faut d'abord mettre les piles. Tu as vu, petit ours? Il y a même les phares qui s'allument. S'il te plaît, papa, tu me donnes la télécommande? Bon, je te laisse. Si tu as besoin de moi, petit ours, je vais bricoler dans l'atelier. N'aie pas peur, Minou, c'est ma nouvelle voiture. Oh non, elle est cassée. Elle est cassée. Ne t'inquiète pas, mon petit ours. On va la réparer. Petit ours brun est tout content. Papa ours a réparé son nouveau jouet. Petit ours brun est tout fier de lui prêter. Mais pas trop longtemps. Petit ours brun a perdu son doudou. Ce soir, maman ours va rentrer tard. Petit ours brun et son papa ont fait un drôle de bazar. Bon, on s'est bien amusé. Maintenant, il est temps de se coucher. Mais avant ça, il faut tout ranger. Oh non, papa! On joue encore? Allez, le premier qui a tout rangé a gagné. Hop, 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 hop. J'ai gagné! Bravo, petit ours. Tu es un champion. Allez, au lit maintenant. Dors bien, mon petit ours brun. Papa! Papa! Petit ours, il est l'heure de dormir. Mais je ne peux pas! Je n'ai pas mon doudou! Il ne doit pas être bien loin, ton doudou. Il n'est pas là? Moi, je suis sûre qu'on l'a rangé dans le coffre. Alors... Petit ours, attends! Oh! Il n'est pas là non plus, mon doudou. Ah, je sais, maman l'a sûrement rangé là. Ne tire pas trop fort, petit ours. Ah, ah. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ben, on cherche le doudou. Maman, il est perdu. Je ne crois pas, petit ours. Maintenant, au lit tous les deux. Les papas ours et les petits ours ne savent jamais chercher. Heureusement que les mamans ours sont là pour toujours tout retrouver. Petit ours brun prend son bain. Petit ours brun aime bien faire du sport. C'est dur, mais il fait de gros efforts. Bravo, petit ours, tu as battu ton record. Tu es un vrai champion. Je suis fatiguée. Petit ours, viens vite prendre ton bain. Oh non, pas le bain. Mais si, mon petit ours, un vrai champion se lave toujours après l'effort. Bon, d'accord. Plus rien. C'est froid.
peux m'aider à enlever mon short et mes chaussures? J'aimerais bien que tu sois aussi un champion pour te déshabiller, petit ours. Maintenant, elle est trop chaude. Mais non, elle est parfaite. Allez, à l'eau maintenant. C'est doux. C'est chaud. Bon, je vais préparer le dîner. Tu es sage, petit ours? Promis, maman chérie. Au secours, on va couler. Attention, pète. C'est comme ça que tu es sage, petit ours. Regarde, tu en as mis partout. Mais non, maman, c'est pas moi, c'est la baleine. Allez, ma grosse baleine, dépêche-toi de sortir, le dîner est prêt. Pas tout de suite, regarde. Ça suffit, petit ours, tu sors du bateau. Je fais le sous-marin. Tiens, on dirait que j'ai pêché un sous-marin. Quand il doit prendre son bain, petit ours brun est un petit coquin. Mais pour sécher son ourson, papa ours est un vrai champion. Petit ours brun a des petits malheurs. La maison est calme ce matin. Mais que fait donc petit ours brun? Tu as faim, Minou? Tu vas voir, j'ai quelque chose de bon à manger pour toi. Petit ours, attention! Oh, mon petit ours, tu m'as fait peur. Tu sais que tu aurais pu te faire très mal. Mais petit ours, qu'est-ce que tu as voulu faire? C'est Minou, il avait très faim. Je voulais lui donner du gâteau. Du gâteau? Pour Minou? Oh, il est parti. Mais les chats ne mangent pas de gâteau. Ce n'est pas plutôt mon ourson glouton qui avait une petite faim? Non, maman, c'était Minou. Tu vas voir, je vais le chercher. Un peu plus et tu te faisais drôlement mal, petit ours. Mais ça sent rudement bon ici. Qu'est-ce que c'est, maman? Ah non, tu ne vas pas te brûler maintenant. Le déjeuner n'est pas encore prêt. Allez, va donner du lait à Minou en attendant. Et regarde bien où tu mets les pieds. Pas très grave, mon petit ours. Ne bouge pas. Papa va te soigner. Tu sais, maman, Minou, il n'avait même pas faim. Aïe! Quand on est un petit ours qui a beaucoup d'idées, il faut bien regarder où on met les mains, les pieds, mais aussi les oreilles. Petit ours brun ne veut pas prêter ses jouets. Aujourd'hui, petit ours brun attend un nouveau copain. Maman, maman, il arrive quand, mon nouveau copain? Il ne devrait plus tarder, petit ours. Le voilà! Mais il est où, mon copain? Ne t'inquiète pas, petit ours brun. Je ne suis pas venue toute seule. Voyons, petit ours, pousse-toi un peu. Sinon, madame ours blanc et son petit ours ne pourront jamais entrer. Tu devrais emmener petit ours blanc dans ta chambre. Tu viens, copain? On a beaucoup des jouets. Vroom, 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 vroom. C'est moi qui joue avec. Non, pas ces jouets. C'est l'heure du goûter pour les oursons affamés. Ouais. Maintenant,
On va jouer à faire des accidents. Boum! Eh bien, vous ne venez pas goûter? Après, maman, on s'amuse bien avec Petit Ours Blanc. Quand il ne garde pas tout pour lui, Petit Ours Brun se fait de nouveaux amis. Petit Ours Brun veut un gâteau. Aujourd'hui, Maman Ours va chercher le pain avec son Petit Ours Brun. Dépêche-toi. Petit ours. Maman, maman, ils ont l'air bons les gâteaux. Une baguette bien cute, s'il vous plaît. Maman, je peux avoir un gâteau? Non, petit ours, pas maintenant. Oh, maman, s'il te plaît, je veux celui-là. Non, petit ours, je t'ai déjà dit non. Mais pourquoi? Tu veux jamais m'en acheter? Arrête de réclamer, petit ours. Tu n'auras pas de gâteau parce que nous allons bientôt dîner. Mais moi, j'ai faim. Je veux un gâteau maintenant. T'es pas gentil. Ça suffit, petit ours. Viens, maintenant, on rentre. Non, je veux pas rentrer. Je veux un gâteau. Très bien. Moi, je rentre. Bien, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu attends le train? Non, j'attends ma maman. Je crois plutôt que c'est elle qui t'attend. Pardon, maman. Tu veux le croûton, petit ours? Petit ours brun n'est pas content quand il n'a pas ce qu'il veut immédiatement. Mais il ne reste jamais fâché très longtemps. Petit ours brun a peur du loup. Quand il fait nuit noire et que le vent se met à souffler, Petit ours brun n'est pas très rassuré. Papa! Maman! Un loup dans le jardin. Mais non, petit ours, ce n'est pas un loup. C'est un hibou. Mais si, c'est un loup. Je l'ai vu. Tu sais, ça existe en vrai, les loups. Oui, les loups existent, mais il n'y en a pas chez nous. Mais ce qu'il y a chez nous, c'est un petit ours qui va prendre froid. Va vite mettre ta robe de chambre. Pour remettre le compteur électrique. Ne t'inquiète pas, petit ours. C'est juste une panne d'électricité. Il fait tout noir dans la cave. Il n'a pas peur, papa. Voilà. Et maintenant, on va chasser ce méchant loup. Loup, y es-tu? M'entends-tu? Alors, il est où, ce loup? Peut-être qu'il a eu peur de nous. Ah! Un loup! Oh! Mais Petit Ours avait raison! Mais non, c'est moi! Petit Ours Brun n'aime pas trop le noir. Mais quand il n'a plus peur... Petit ours brun est un drôle de farceur. Oh, oh tiens, voilà quelqu'un. Petit ours brun. Coucou, c'est toi mon copain. Petit ours brun. Tu fais toujours ton coquin. Mon petit ours malin. Dans tes mains, petit ours brun. Saute, saute les pieds joints, petit ours brun. Petit ours.
ours brun fait de l'escalade. Petit ours brun et ses parents se promènent dans la forêt. Mais que peuvent-ils bien chercher? Papa! Maman! J'en ai trouvé un! Attends! Bravo, petit ours. Celui-ci est bon à manger. Allez, on continue. Papa, regarde-moi. Je vais grimper tout en haut. Papa, aide-moi. J'arrive pas. Tu n'es pas encore assez grand pour grimper aux arbres, petit ours. Allez, viens. Mais moi, j'ai plus envie de chercher des champignons. Allez, petit ours. Je suis sûre qu'on va trouver d'autres endroits pour grimper. Ah! Et si on s'arrêtait là pour se reposer un peu? Waouh! Génial! Des rochers à escalader! Moi, j'adore faire de l'escalade! Hé! Hey, attends-nous, petit ours! Veux-tu que je t'aide, petit ours? Non! Je veux grimper tout seul! Regarde bien où tu mets les pieds, petit ours. Regardez-moi, je suis tout en haut. Bravo, petit ours. Oh, c'est haut. Je ne peux pas descendre, moi. Saute dans mes bras, petit ours. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Petit ours brun aime bien l'escalade. Et il n'a pas peur de monter. Mais pour descendre, 1, 2, 3, il préfère les bras de son papa. Petit ours brun se lève tôt. Dans la maison de Petit ours brun, devinez qui se lève tôt ce matin. C'est Petit ours brun. Papa, maman, je suis réveillée. Oh non, petit ours, il est beaucoup trop tôt. Va te recoucher tout de suite et éteins la lumière. Voilà, fini. Papa, maman, venez voir mon château. La prochaine fois que tu viens nous réveiller, petit ours, je vais vraiment me fâcher. Mais vous, vous dormez toujours. Et puis moi, je m'en... Mais que se passe-t-il, petit ours? Je voulais vous faire plaisir, alors j'ai tout préparé pour le petit déjeuner, et puis... Oh, ce n'est pas grave, petit ours. Allez, va voir maman, moi je vais arranger ça. Allez, viens vite te réchauffer, mon petit brin d'ours chéri. Petit ours brun s'est levé très tôt aujourd'hui. Maintenant que tout le monde est réveillé, petit ours brun s'est rendormi. Petit ours brun n'a pas sommeil. Il fait déjà nuit et petit ours brun n'est pas encore au lit. Ce soir, il regarde le cirque à la télé avec papa et maman ours. Oh, c'est déjà fini. Oui, et il est grand temps d'aller se coucher. Mais j'ai pas sommeil, moi. Il est très tard, petit ours. Allez, au lit. Oui, d'accord, je vais me coucher. Et est-ce que vous allez me raconter une histoire? Bon, si tu veux, mais une seule. Ouais! Je choisis un livre. Pas ça, pas ça, pas ça, celui du dessus. Bon, d'accord.
Allez, viens t'installer. Alors, Bergamote, la marmotte. Attends, papa. Qu'est-ce qu'il y a, petit ours? J'ai oublié de faire pipi. Voilà, tu peux commencer. Alors, il était une fois... une maman, petite... maman, j'ai soif. Voilà un verre d'eau. Merci. Donc, Bergamote, la marmotte. Oh, mon lutin. Je l'ai oublié dans le salon. Je reviens. Je suis prêt, papa. Tu peux commencer à raconter l'histoire. Si tu restes tranquille. Donc, il était une fois une petite marmotte qui n'avait jamais sommeil. Ce qui est très curieux pour une marmotte. Cette marmotte qui vivait dans la montagne avait un papa et une maman qui étaient très gentils. Petit ours brun voulait se coucher tard, mais tellement tard qu'il s'est endormi avant la fin de son histoire. Petit ours brun range ses jouets. Les jours de pluie, Petit Ours Brun reste chez lui. Et quand il joue, il y a des jouets partout. Attention, les pirates! Ils arrivent! Petit Ours, c'est l'heure de ranger. Ça y est, ils attaquent! Y'a tout qui brûle! Pimpon, pimpon! Venez vite, les pompiers! Les pirates ont fait brûler le château! Dis donc, mon petit pompier, je croyais que maman t'avait demandé de ranger. Mais papa, je dois éteindre le feu avant. Brum, brum. Mais ça y est, il est éteint ton feu. Bon, d'accord. Tu sais, si tu ne prends pas plus de jouets à la fois, ça risque de durer longtemps. Mais je me dépêche, papa. Je crois que j'ai trouvé une idée pour aller plus vite. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est génial, papa. À toi de jouer, petit ours. Chou-chou, laissez passer le train. Chou-chou. Voilà les tubes. On va pouvoir reconstruire le château. Mais non, petit ours. Il est trop tard pour jouer. Et maintenant, il faut que tu ranges ta chambre. J'en ai assez, moi, de ranger tout le temps. Avec vous, je ne peux jamais jouer. Dis-moi, petit ours, tu ne voudrais tout de même pas que les méchants pirates volent tous tes jouets? Bah non, alors. Alors vite, aide-moi à cacher le trésor dans le coffre. Ah oui, d'accord. Petit ours brun veut bien ranger tout son bazar. Surtout quand papa lui invente des histoires. Petit ours brun fait de la luge. Aujourd'hui, il a neigé. Petit ours brun est content. Il va faire de la luge avec ses parents. Vite, dépêchez-vous! Il y a plein de neige dehors. Ne t'inquiète pas, petit ours. Elle ne va pas fondre tout de suite, la neige. Ouais! Youhou! Wouhou! Ouais! Glisse pas cette luge. Peut-être qu'il manque une maman ours pour la faire démarrer. Et si on faisait une course jusqu'en bas? Oh oui, chouette! C'est moi qui conduis. On y va. 1, 2, 3, partez! Ah, je suis sûre qu'on va arriver avant toi. Plus vite, maman! Plus vite! Papa va nous doubler! Petit ours. Wow, on a fait un bel accident. Oui, et c'est Petit ours qui conduisait. On recommence la course? On n'arrive pas à marcher.
Allez, monte, mon ourson des neiges. Petit ours brun adore descendre en luge. Mais il n'aime pas trop remonter. Qui sera fatigué ce soir? C'est sûrement Papa Ours. Petit ours brun est en colère contre maman. Aujourd'hui, Petit ours brun a décidé de jardiner. Et ce n'est pas la pluie qui va l'arrêter. Oh non, Petit ours. Mais, Petit ours, qu'est-ce que tu fais là? Je fais du jardinage, je plante des fleurs. Mais enfin, Petit ours, les fleurs coupées ne repoussent pas. Et puis regarde, tu es trempé, rentre te changer. Non, je peux pas rentrer, j'ai pas fini. Mais si, tu vas attraper froid. Mais non, j'ai pas froid, je veux rester dehors. Non, laisse-moi. Non, je veux pas me changer, je veux pas enlever mes bottes. Oh, écoute, ça suffit maintenant. T'es pas gentil. Non, c'est toi qui n'es pas gentil. Calme-toi, Petit ours. Moi, j'ai du travail. Méchante, méchante, méchante! Qui est là? Moi. Oh, un petit ours tout changé. Est-ce que par hasard, mon petit ours aurait envie d'une part de tarte aux pommes? Oh, tu as vu? Il y a du soleil maintenant. Dis maman, quand tu auras fini, on pourra aller planter des pépins pour faire pousser des pommiers. Oui, petit ours. Petit ours brun et sa maman se fâchent de temps en temps. Mais ça ne dure jamais très longtemps. Petit ours brun a une faim de loup. Aujourd'hui, papa et maman ours ont préparé un très bon déjeuner. Petit ours brun attendrait-il des invités? Oh là là! J'ai drôlement faim, moi! Quand est-ce qu'ils arrivent, papy et mamie? Ils ne devraient plus tarder, petit ours. Mais j'ai vraiment très très faim! Encore un peu de patience, petit ours. Tu viens nous aider à mettre la table en attendant? Oui. Tiens, il manque le sel et le poivre. Tu y vas, petit ours? D'accord, papa. Bonjour, petit ours. Je veux bien embrasser mon petit ours, mais je ne voudrais pas qu'on reste collé. À table, tout le monde. Ouais. Tu ne manges pas ton fromage, petit ours? Je croyais pourtant que tu avais une faim de loup. J'ai surtout très faim pour le dessert. Et voici la tarte aux fraises, sans fraises. Hein? Mais je ne savais pas qu'il y avait des souris ici. Moi, je crois que je la connais, la souris. Et elle a déjà mangé son dessert. Quand Petit ours brun a une faim de loup, il se fait petit comme une souris. Il croit qu'il n'en prend qu'un petit bout, mais ça se voit beaucoup.
petit ours brun se perd au marché. Petit ours brun et son papa vont faire les courses au marché. Petit ours brun est tout fier. Il va remplir son panier. On va d'abord aller acheter des légumes et ensuite on ira chercher le fromage. On pourrait aussi rapporter des fleurs pour maman. Bonne idée, petit ours. Ça lui fera plaisir. Elle est belle, ma salade. Elle est belle. Bonjour. Je voudrais 1 kilo de carottes, un gros chou-fleur et une belle salade, s'il vous plaît. Alors, 1 kilo de carottes, un gros chou-fleur et une belle salade. Ne touche à rien, petit ours. Petit ours, je suis là. Pardon. Tu sais, petit ours, il faut que tu restes à côté de moi. Il y a beaucoup de monde. Il est frais, mon poisson, il est frais. Oh, papa, regarde les crabes, ils sont gros. Oh oui, ils sont beaux. Combien, vos crabes? Ils font 5 euros le kilo et ils sont tout frais. Ils ont été pêchés d'hier. Oh, le mignon petit chat. Hé, attends. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu ton papa? Papa! Hein? Mon papa! Et il est comment, ton papa? C'est mon papa! Ne t'inquiète pas, on va le retrouver, ce papa. Mais où étais-tu passé, petit ours? Je t'ai cherché partout. Papa! Petit ours brun avait trop de chagrin pour s'expliquer. Et maintenant, il est trop content pour parler.